pour les news, Halo News. Toujours cette énergie là pour apprendre les langues aux enfants? Quand je suis avec les enfants, oui. Mais après une journée avec les enfants, je suis contente d'être à la maison et de pouvoir me reposer. C'est facile d'apprendre les langues aux enfants? Oui, plus facile aux enfants qu'aux adultes. Pourquoi? Ben, les enfants sont plus ouverts surtout aux jeux, etc. Et leur tête, moi je la vois comme un peu comme une éponge et ça accumule quand même beaucoup plus facilement le vocabulaire, la grammaire, etc. Tandis que les adultes, c'est quand même un peu plus dur, surtout pour les animations. Alors, je m'appelle Kerim et j'ai 11 ans. Alors, est-ce que c'est facile de chanter en irlandais? Ben, ça dépend. Donc, moi, je trouve que c'est facile parce que je connais l'allemand, donc pour moi, c'est facile. Et c'est important pour toi d'apprendre le néerlandais? Ben oui, parce que plus tard on aura besoin, parce qu'on est dans un pays assez bilingue. Et c'est important de commencer à apprendre quand on est en 5e primaire comme toi? Oui. Pourquoi c'est important d'apprendre ça maintenant? Parce que bon, en 5e année aussi on a des nouvelles matières, donc on apprend aussi de nouvelles choses aussi en français, en mathématiques, mais aussi en néerlandais. Donc pour moi ça c'est important d'apprendre ça aussi maintenant en 5e année, mais dans toutes les années. Et c'est chouette de venir à la journée des langues ici aujourd'hui. Oui, pour moi c'est très chouette. Il y a plein d'activités. Il y a un karaoké, donc ce qu'on vient de chanter, c'est chouette, je trouve. Bonjour les news, Cool Morgan les news. Ici on est à la fête des langues, organisée par le Centre d'animation en langue. Et ce qu'on fait ici, c'est des milliers d'enfants des écoles primaires qui viennent ici aujourd'hui à pratiquer les langues qu'ils ont acquises ou des langues qu'ils ne connaissent même pas et qu'ils vont juste goûter des différentes langues qui sont présentes ici aujourd'hui dans le Parlement. Et c'est important de faire une journée comme aujourd'hui? Oui, c'est très important parce qu'on veut faire vraiment, c'est donner du courage aux enfants, de leur montrer que parler une langue, ce n'est pas quelque chose qui doit être parfait, mais c'est vraiment la communication. On essaye de leur faire comprendre que la communication entre différentes communautés linguistiques, c'est très important. Alors, votre animal, vous le gardez secret? Ja, dus je mag dat kaartje niet aan de andere tonen. Ja, dan moet je dus geheim houden. Oké? Alors Marie s'était couchée sur ce papier. On a dû dessiner le contour de Marie et puis refaire ses vêtements. Et les gens nous ont expliqué ça en flamand et on a compris en partie, oui. Ok, goed zo. Het brood. Je mag het brood. Ok. Avocat. Qu'est-ce que c'est qu'avocat? On chante en grec, mais entre nous, on parle en français bien sûr. Hein. On enseigne des chansons de danse traditionnelle grecque. Et tu comprends? Non. Alors comment vous faites pour chanter en grec? Il y a des jeunes qui nous aident à nous dire les mots et on arrive un peu mieux. Tu avais déjà fait du grec avant? Non, vraiment pas, mais je trouve que ça ressemble quand même un peu à l'italien. Je suis venue ici pour m'amuser. On a appris un peu à faire, à parler. Et on va chanter. C'est pour nous amuser parce que le néerlandais, c'est une langue importante pour notre travail. Salam alaikum les news. Parfait. C'est tout? Et on n'a pas de news. Encore une fois? Et on n'a pas de news. Pas Africato.